Oh yeah. Pa 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 pa. Mashallah. Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être quoi? On va faire un lequel est surgelé versus lequel est de maison. Et ouais. Wouhouhou. Hop hop hop. Quelle idée de génie. Par contre, ça va être ouf, trop bon genre. Alors là, je vois tout ce qu'il y a sur la table. J'ai l'impression d'être un buffet de mariage. Et tu sais, ou une kermesse. Oui, les trucs à la fin de l'année à l'école là. Ouais. Où toutes les daronnes, elles ont ramené des trucs maison. Et puis il y a quand même des daronnes qui ont eu la flemme et qui ont ramené des trucs surgelés. Les daronnes qui ramènent des trucs surgelés, du gap à vous, vous êtes les meilleurs. Oui, vraiment, parce que le surgelé c'est trop bon. C'est trop bon. En plus, on a pris du bon surgelé. Ouais, on a pris du bon surgelé. Qu'on se le dise, parce que levons notre petit doigt. On a pris du Picard. On a pris du Picard et il y a des trucs que j'ai fait. Et il y a des trucs que j'ai acheté en boulangerie. Ouais. Une boulangerie artisanale, donc je sais que c'est fait maison. Ah bah là c'est fait maison. Ah bah oui, là il y a tout qui est fait maison. Donc voilà les gars. C'est la première fois de ma vie que je veux que tu parles vite là. Trop. Allez, 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 allez. Oh, merci les gars pour cette vidéo. Bon, en tout cas les gars, merci. On est. Est-ce qu'on est 90 000 sur ma chaîne? Bah laisse-moi regarder. Allez-y. Si on est 90 000, c'est. Tu montes tes seins? Comment ça? Bah tu montes tes seins. Genre... Je suis pas dévagondé. Attends. Toi, tu montes tes seins. Jamais d'avis. Ouais, dommage. Ils sont gros. Ok, donc Raph m'a. Oh, je suis à 88 000. 89 000. 89 000. Donc, du coup, demain, c'est possible. Enfin, demain. 24 heures dans mon assiette, wesh. Elle va faire 100 000 vues. Vous êtes en ce moment, vous êtes à fond, à fond, à fond. Et je vous remercie parce que j'adore. Ce qu'il fait. Manger. Non, t'adores ce que tu fais. Non, en vrai, ouais, j'adore ce que je fais. Un grand merci, c'est grâce à vous. Donc, si vous voulez que la chaîne agrandisse et qu'on atteigne les 100 000 followers, qu'on aille le petit cadre, ça serait beau quand même. J'ai toujours vu le cadre Chera Kerensky. Là, il y aura un cadre, Raph Major. Bon, en tout cas, les gars, si vous voulez que j'aille mon petit cadre, vous savez ce qu'il reste à faire. Le pouce en l'air. En commentaire, on met. En commentaire, on met Raph le surgelé. En commentaire, les gars, on met Raph le surgelé. Voilà, je veux un maximum de rafles surgelées. De toute façon, je réponds à presque tous les commentaires dans la mesure du possible et dans la mesure de mon temps. Tu dois vraiment répondre, ne pas répondre à un commentaire, je pense. Bah après, au bout d'une semaine et tout, quand il y a plusieurs vidéos en tout cas, les gens qui sont là dès le début, ils vous répondent. Ah mais en tout cas, ouais, la première semaine, je réponds à tout le monde. Bon voilà, on va passer à la vidéo, les gars. Qui commence? Dictionnaire. Le dictionnaire. La dernière fois, c'était moi qui avais fait, donc là, c'est à toi. Ok. Tu me dis stop. 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 Momentanément. Momentanément. M-O-M-E-N-T-A-M-E-N-T. Quoi? T'as dit momentanément. Non. Je commence. J'ai oublié. Allez, donc du coup on va commencer par de la pizza. Un bout parce que si on fait comme c'est pas la même taille, si je te fais comme ça, tu vas griller après. Tu mets ton petit bandeau SM. Oh bah déjà, viens qu'on parle pizza. Déjà, point de vue esthétique, la pizza surgelée, elle est machin. Elle peut la manger en plus. Super, elle est luisante, elle est belle. Ouais. Et la pizza maison, j'avoue que ça se voit qu'elle a été faite ce matin ou hier soir. Ouais, bah elle a été faite il y a plusieurs jours. Hein. Oui, c'est sûr, mais celle-là, ça se voit qu'elle a été faite hier soir. Ouais, mais moi j'aime bien les pizzas froides comme ça du lendemain et tout. Moi aussi, j'avoue, je les aime bien. C'est les meilleures. Ouais, c'est les meilleures. Là, je suis pressé de manger celle-là. Ah ouais? C'est pour ça que t'as voulu décider de commencer par la pizza parce que c'est ton plat préféré. Oui. On y va? Ouais, on y va. Allez, ok, je te coupe un petit bout. Ouais. Pourquoi là j'ai pas peur cette fois-ci? Sur les autres tournages comme ça, j'ai peur. Ouais, sur tous les autres tournages, j'avais peur. T'es trop content, ça se voit. Et encore. Criminel. Ok. T'as une petite idée ou pas du tout? Ouais. D'accord. Wow. Bah arrête. Je te jure, je me suis fait niquer. Comme la pizza c'est moi qui l'ai chauffée, je me suis dit elle va être un peu chaude, je vais les secouiller comme ça, tu vois. Non. Mais comme ça fait une heure déjà que tu les j'ai préparé, ouais. Les doigts sont froids. T'as aucune idée là de qui, laquelle est surgelée. La première, je dirais que c'était la surgelée. Pourquoi? C'était au niveau de la pâte, elle était un petit peu plus croustillante, tu vois, en dessous. Ouais. Alors que la deuxième, il y avait un tout petit peu plus de pâte et elle était plus moelleuse. Donc du coup, je dirais que c'était la maison. Et même au niveau du fromage, la deuxième, c'était plus du gruyère, alors que la première, c'était de la mozzarella. Ouais, elle a mis du gruyère vite fait comme ça, alors que quand c'est industriel, bah ils mettent des proportions égales à chaque fois, genre. Mais par contre, les deux, elles étaient. J'ai vraiment eu du mal, je pense. Je me suis fait avoir au début parce que... Tu sais pas encore c'est quoi? Si je sais, c'est bon, je t'ai dit. Oui mais tu sais pas, je t'ai pas dit moi. Ah oui, c'est vrai. Je suis con. J'étais tellement sûr de moi. Bah tu peux enlever ton masque du coup. Alors à ton avis, est-ce que tu t'es trompé? Non. Bah non, tu t'es pas trompé, t'as eu bon. Ouais, tu vois la pâte elle est dure ici. C'est bien de faire ça là. La part de pizza est très très bonne. Allez, parti dessus. À moi. Tu
Tu veux quoi? Les frites? D'un point de vue visuel, alors, franchement, on dirait des frites du McDo. Mais c'est des mannequins, les frites surgelées. C'est vraiment des mannequins, les frites surgelées. Ouais. Par contre, elles sont un peu vertes, donc elles m'ont l'air blindées d'huile. Alors que celles-là, elles sont... Bon là, elles ont un petit peu ramolli. Elles ont ramolli parce que et ça c'est avec les sans Viagra. Mais franchement, je les ai goûtées en sortant de truc, elles étaient super bonnes. Bon là, elles ont un peu ramolli. Ouais. Du coup, vas-y, mets le truc. Et arrête de bouffer de la pizza, toi. Des frites, des frites, des frites. Ah c'est bien, tu m'as coupé un vrai petit bout. Ouais. Alors, je t'entends manger, arrête de bouffer. Quoi? Non, c'est pas moi. Je dirais, là c'est du pur sens. La première, c'est les frites maison. Ouais. Et la deuxième, c'est les frites surgelées. Et je vais m'expliquer pourquoi. Allez. Parce que les frites surgelées sont toujours beaucoup plus croustillantes que les frites maison. Non, mais parce que les frites maison, ça fait un moment aussi. Non, mais les frites maison, c'est beaucoup moins croustillant, qu'on se le dise, les gars. À quel moment, c'est... À quel moment vous avez déjà mangé des frites maison croustillantes? Ouais. Bah oui, Raph. Est-ce que je me trompe? Non, t'as eu bon. Pour des frites en 2 minutes 30 au micro-ondes, oui, c'est bon. Et encore, hein. Elles sont sèches. Hein. Ouais, elles sont sèches. Mmh. Allez, article suivant. Non. Prochain article, c'est à toi là, hein, c'est à moi. Bah du coup on va choisir les petits fours. C'est mon rêve de manger ça là, mais il y a du porc. Ouais, les deux je les ai fait moutarde, saucisse. Mmh. Et ben... celle-là je les ai fait saucisse de poulet. Super. Pour que tu puisses manger un peu. C'est gentil. D'aspect, bah écoute, le surgelé est beau gosse. Et on dirait qu'il porte un chapeau et regarde, tout. Regarde, lui il est plus beau. Il est pas beau, mais il a son charme. Il a son charme, il est rond, il y a une saucisse. Lui il est trop design avec un peu de graines de pavot, de la moutarde. Tu sais, c'est comme une meuf au naturel et une meuf sophistiquée, tu vois. Les deux sont beaux à leur... À leur manière. À leur manière. Bah, tu me le mets dans la bouche. Goûtez ça, hein. Bien sûr. Les deux c'est les mêmes, hein, moutarde, saucisse. La tête de l'homme, je sais pas. Tu sais pas? Non. T'arrives pas à connaître la différence? Non. Sérieux? Ouais. Entre le maison et le surgelé? Je sais pas. Ah ouais? Y'a même pas une différence là? Bah y'en a un, il a un petit goût plus prononcé. Ouais. Bah je dirais, premier... Ah je sais pas, hein, vraiment là c'était dur, tu m'as retiré les pièges. Bah oui, t'es encore heureux, je t'ai laissé vraiment l'essence pure. Je dirais, premier surgelé, deuxième maison. Ok. Tu retires... C'est ton dernier mot? C'est ma dernière bafouille. Ok, vas-y, enlève. Bah le premier... Wow! Le premier... Il ouais. était maison. C'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit premier surgelé, deuxième maison. Ah ouais, vraiment, je vois pas la diff. 1-0. 2-1. Quoi? Ouais, je sais même plus si on compte les points sur cette vidéo. Non. Ok, d'accord. Bah, si tu veux, 1-0 pour toi. Mais... Symbolique, 1-0 pour toi. Tu veux faire quoi maintenant? Je veux faire les frites. C'est la meuf qui veut juste remanger des frites. Le croissant. Le croissant, non. Alors le croissant, déjà niveau taille, j'ai pas trouvé des petits croissants à la boulangerie. Ok d'accord, donc c'est des mini croissants de chez Picard. C'est des mini croissants de chez Picard et franchement... Ils sont super franchement, beaux. Ils sont super beaux, genre ouais. On dirait des croissants de la boulangerie. Carrefour c'est pas mieux genre. Franchement, d'un aspect visuel, si tu m'avais dit que t'avais acheté les deux en boulangerie, je t'aurais cru. Bah ouais, vraiment... Par contre, si tu m'avais dit que t'avais acheté les deux surgelés, je t'aurais pas cru, tu vois. Pour te dire à quel point la version surgelée est hyper bien faite. Ouais, 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 ouais. Et c'était super sympa. Et qu'ils ont l'air tous les deux ultra croustillants. Tu me fais goûter des bouts, hein. Ouais. Premier surgelé, parce qu'il est mou. Mou et pas ouf, on va pas se okay. mentir. Et le deuxième c'est fait maison parce que c'est vraiment un croissant de la boulangerie quoi. Ok, ok, bah tu peux te dessaper les yeux, je t'ai trompé. Non c'est pas vrai. Je te jure c'est vrai, hey, je l'ai goûté le Picard, il ouais, est incroyable. Incroyable. Il est vraiment claqué celui de la boulangerie, pardon hein. Écoute, ce bruit. C'est abusé, genre ça craque et tout. Franchement, je suis à l'étranger, genre je suis un pays comme le, je sais pas, le Japon ou en Asie ou aux États-Unis. Non, il n'y a pas de Picard aux États-Unis. Non. Mais je sais qu'au Japon il y a Picard. Eh, hey, je prends ça frère et hey, je me fais... Je peux manger la fin? Non, je mange. Ça a abusé.
Je suis choqué. Ouais, franchement, je suis choqué, meuf. À moi. À toi. On va partir sur de la quiche Lolo. Quiche Lolo, c'est parti. D'aspect, la quiche fait plus quiche. Dans ouais, le sens déjà, où... là, il y a de la... Y a de... Elle est généreuse. Attends, mange une. Elle y va franco, tu vois. Mais la mini quiche de chez Picard, elle fait le taf quand même, hein. Ouais, ça on dirait un petit apéro, quoi. Un petit apéro, non, abuse pas. C'est ça, tu manges ça avec une salade, t'as un repas, hein. Ouais, faut pas abuser, pas moi, là. Et les deux, c'est des quiches Lorraine, hein. Donc les deux, c'est le même composant. C'est des petits bouts, hein. C'est vraiment pour pas que tu sentes la diff. Bah ouais. La première a été beaucoup plus ferme, il y avait plus de viande, plus de matière, de consistance. La deuxième était un petit peu plus molle, on aurait presque dit gélatineux, genre. D'accord. Comme si c'était vraiment une préparation, tu Donc vois. Donc la première maison, la deuxième surgelée. Alors ? T'as raison. Ah ouais. Bien joué. Prochain article. Prochain article. La galette des rois. La galette. D'un point de vue aspect, celle de la boulangerie n'a rien à voir avec celle de chez Picard, on peut se le dire. Par contre, ouais, là, elle a mal vieilli. La galette de chez Picard, j'avoue, on lui a pas fait honneur. Elle a mal vieilli. On voulait que les deux soient froides et surtout que c'est ce que j'ai fait en premier parce que c'est 45 minutes à cuire. Et après, j'ai fait tout le reste, elle a super mal vieilli. Par contre, je connais l'article, je n'aime pas la galette, c'est la seule galette au monde que je peux manger. Ah ouais, la Picard. La Picard. Bah après, quand tu la coupes, ouais, elle est pas ouf. Alors qu'elle, quand tu la coupes, elle est encore belle. Elle est encore très très belle. La bouche. Oh yeah. Pa 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 pa. Mashallah. Mashallah sur laquelle? Sur la deuxième. La première c'est la maison. Parce qu'elle est plus croustillante. Ok. Mais elle est beaucoup plus sucrée. Ok. Et ça c'est ce que j'ai pas kiffé dans okay. l'intérieur de cette galette. Ok. La deuxième c'est la surgelée. Ok. Parce qu'elle est beaucoup moins croustillante. Ok. Mais je pense que c'est parce que voilà, elle a mal vieilli. Ok. Mais le goût de la frangipane de l'amande, c'est incroyable. Ah ouais. L'amande de la frangipane de... Parce que je suis sûre à 100% de moi. C'est quoi alors? Bah la première c'est la maison et la deuxième c'est la surgelée. Arrête, me dis pas ça. Tu t'es pas trompée. Oh putain, yes. Chez la Picard tu sens l'amande de la... Par contre c'est une pub Picard Ouais vraiment, bah, de toute façon moi je crois que je vais acheter des parts de marché ce Picard genre parce que je leur fais tellement de pubs. Article suivant, bah on va se taper, je vais me taper Leclerc au chocolat. D'un aspect physique, le glaçage est très brillant sur le surgelé. Ah ouais. Ah. Alors que lui, il est mat. Mat. C'est une couleur mat. En fait, c'est comme quand tu mais fais ton vernis. Regarde, ça se voit qu'il a été fait maison parce qu'il a été fourré ici. Ouais, ouais, ouais. Alors que lui, il a été fourré ici. Ça se voit que c'est une machine comme ça, genre. Ah, tu crois? Ah oui. Moi j'avoue lui, il est que plus beau. Je préfère lui il est plus d'un beau d'un point de vue physique ouais. Parce celui-là qu'il y a des rayures et tout donne plus envie. Mais lui me donne plus envie. Non moi c'est lui qui ah moi c'est lui envie. Ah c'est bon je sais. Mais même moi je sais bon. En fait il y a ce goût de boulangerie que je pense les industriels n'arrivent pas à reproduire. Alors ou que tu peux pas reproduire genre. Ouais. La première c'était surgelé, la deuxième c'était fait maison. Oui. Dernier article et c'est pour moi. Il en reste qu'un. Bon pareil, il n'y avait pas de petit pain. Alors pain au chocolat. D'un point de vue physique, les deux se ressemblent. Les deux sont très très beaux. Les deux, quand on appuie, c'est croustillant. Donc c'est génial. Parce que les deux sont très beaux. Ouais, ils ont l'air pas mal, les petits de chez Picard. Les deux sont très très beaux. Écoute, j'ai hâte d'être surprise.
Voilà. Ah, le dernier qui m'a fait goûter est délicieux. Je dirais que le premier est surgelé. Ok. Parce que le chocolat est fondu. Et je dirais que le deuxième est frais. Ok. Parce que le chocolat est en barre. Alors dis-moi si j'ai bon ou pas. Ça va. Ouais, c'était sûr. Ça. Bah écoute, franchement, qu'est-ce que t'en as pensé de cette dégustation à l'aveugle? Dis-moi qu'est-ce que t'as pensé plutôt en vendant. Bah vraiment, j'ai été surpris parce que le surgelé au final, il s'est pas laissé faire. J'ai pas trop compté les points de le surgelé, il a eu combien? Pour moi, le surgelé, il gagne sur la galette. Genre. C'est cette galette, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. Et le croissant. Pour moi, le surgelé a gagné cet épisode. Moi, franchement, je suis stupéfaite du surgelé qui m'épate beaucoup. Je pense que ça sauve pas mal de foyers, les bons produits surgelés comme ça. Ah bah moi, ça me sauve pas mal aussi. Ouais. Hein. Moi, j'ai plus rien à ajouter. J'ai passé un super moment avec toi. Moi aussi, on a bien mangé, on a bien rigolé. Et nous, on a fini de travailler, donc c'est peut-être à eux de travailler là. Les petits pouces en l'air, si tu l'as pas fait, l'abonnement, si tu l'as pas fait. T'as kiffé la vidéo, c'est la moindre des choses, non? Ouais, je suis d'accord. Ce serait bien rendu en tout cas. Les gars, est-ce que vous avez d'autres idées de versus de ceci versus cela, lequel est? Toute idée est bonne à prendre. Moi, de toute façon, j'écoute toujours vos suggestions. C'est vous qui savez ce que vous voulez. Je suis comme une grande surface. J'écoute les consommateurs. Blague à part les gars, merci encore une fois de me suivre, d'être régulier. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à mercredi. Ciao ciao. Allez papa.